François Nissan annonce un loto et un jeu de grattage pour sauver le patrimoine. La ministre de la Culture a expliqué vendredi que les recettes d'un tirage spécial de la Française de jeux et qu'un nouveau de jeu flash seraient consacrés à la préservation des monuments. C'est la Fondation du patrimoine qui devra gérer ces fonds. À Nice, l'avion de ligne confond une voie de circulation avec la piste de décollage. Il a atteint 170 km par heure et parcouru presque un kilomètre sur la mauvaise voie, avant d'être arrêté, in extremis, par la tour de contrôle. Hier, le Bureau d'enquête et d'analyse, BI, pour la sécurité de l'aviation civile, a indiqué que ses agents sont au Portugal, pour mener des investigations après un incident qualifié de grave à l'aéroport de Nice, Alpes-Maritimes, confirmant une information de France 3 Côte d'Azur. Lot et Garonne, les pompiers à la recherche d'une famille après l'incendie de leur maison. Les pompiers étaient à la recherche vendredi d'une famille de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, dont la maison de bois s'est embrasée avant l'aube à Bazan, un village du Lot et Garonne. Prière de rue, les musulmans maintiennent la pression à Clichy. L'interdiction de prier dans la rue a été respectée vendredi à Clichy-la-Garenne. Mais un appel a déjà été lancé pour reprendre les prières de vendredi prochain, en dépit d'une nouvelle médiation, qui doit se tenir lundi.